Hello tout le monde et bienvenue dans ma taverne. Aujourd'hui, on joue à Tavern Manager Simulator. C'est développé par One More Time. Donc dans ce jeu, on va vraiment être dans une taverne au niveau du Moyen-Âge et on va accueillir des clients et on va devoir redorer un petit peu le blason de cette taverne de A jusqu'à Z. On va devoir faire du mobilier, décorer, réagencer un peu tout. Et là, on a des clients, il faut les servir. En tout cas, si jamais tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Merci. Alors, on a trois types de qualité au niveau des bières. Soit qualité parfaite, soit mauvaise, ou soit bonne. Alors, parfaite et bonne, c'est bien, on peut les distribuer. Mauvaise, c'est pas forcément très, très conseillé. On a donc la réputation et l'heure qu'il est. Dans l'amélioration, on a des améliorations de taverne, donc jusqu'à... Pas mal, hein, on aura au moins 15 améliorations. Pas 15, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Le reste n'est pas disponible. Et après, c'est décliné en plusieurs choses. Donc là, on va faire une poubelle. Et on va prendre un nouveau bar. L'entrepôt n'est pas encore disponible parce que j'ai pas assez de thunes. Voilà, une poubelle pour virer tout simplement les bières de mauvaise qualité. Comme ça, ça évite qu'on les distribue ou qu'ils restent à traîner sur le comptoir. Ah là, il y a quelqu'un qui attend à la bière. Alors, ah là, j'ai fait une goutte, on va y donner. Voilà, on récupère tout ça. On récupère la thune. Ah, ça fait pas mal de thunes rapidement. On prépare la bière au monsieur. Voilà, un peu plus de place. On fait de la place là et on prend. Il va s'impatienter. Voilà. J'espère que vous allez bien, messieurs. Et bienvenue dans ma taverne. J'espère que vous reviendrez. Ah, je compte sur vous. Vous me ferez plaisir. Après, on peut nettoyer quand il y a de la saleté en vérifiant la jauge, les traces de pas. Il s'essuie pas, faudrait que j'achète un tapis en espérant qu'il s'essuie après. Bonne manière, sérieux. Faut que je prenne aussi un peu plus de bière. Là, j'en ai plus que 2 ou 3 en stock. Non, peut-être un peu plus, mais c'est pas non plus tout fou. Non, j'en ai 6 en stock. Le nombre de verres augmente aussi. Voilà, il y a 2 personnes, donc on leur donne. Hop là. Elle n'est pas bonne, on évite. Oui, oui, j'arrive, monsieur. Faut que je les prépare, monsieur. Je peux pas anticiper, vous savez bien. Là, une fois que c'est ça, on peut faire la vaisselle aussi. On va faire la vaisselle. Avant, on va récupérer notre commande de bière. Franchement, je le trouve vraiment super complet. Le jeu est super bien fait. Il y a une très bonne ambiance. Là, il manque juste les verres qui trinquent. Là, à part ça... Ah bah... Ah, faut pas lui donner la mauvaise, j'aurais dû la virer. Là, on va pas aimer. Hein. Regardez, la texture, en plus, il y a les odeurs qui dégagent. Là, ça se voit qu'elle est mauvaise. Avec cette petite vapeur verte, là, ça donne pas envie. Bon, là, on a 15. On va attendre d'avoir un peu plus de monde. La vaisselle, on n'a pas fait. Donc, c'est comme ça. Il faut faire de la bulle et jusqu'à temps qu'ils disent perfect. Et hop. Donc, vous aurez vraiment tout à faire. Le ménage, la bouffe. Sûrement de la bouffe un peu style brasserie. Peut-être la bière à proposer. Faire la vaisselle. Gérer les stocks. Plein de petites choses. Et on va récupérer la thune là-bas. Vous pouvez même jusqu'à, en gros, faire votre devanture là-bas. Pourquoi ils viennent pas, eux? Ah, c'est bon. Voilà, hop. Je vais en faire une deuxième au cas où
Voilà. Bonjour messieurs, dames, asseyez-vous. Et bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. On va rechercher de l'eau. Ouais, il faut chercher de l'eau aussi au puits. Il y a plein de petites choses à faire. Le trouve vraiment cool le jeu. Je suis pas un gros fan de jeux de simulation comme ça, mais celui-là, je le trouve vraiment bien réussi, l'ambiance. En plus, il est plutôt beau. Hein, faut pas bouder son plaisir. Coordonnées, c'est bon. Il faut que j'achète une autre table. Acheter un nouveau niveau de taverne. Avant, je vais acheter des tables. Une deuxième. Donc là, on va dans livraison. Il y a mobilier. Et hop, on prend une deuxième table. En attendant que ça s'arrange. On ne peut pas dormir. Hein, c'est juste pour la déco pour le moment. Mais on va se consacrer vite fait. Alors, l'amélioration, vous allez avoir un entrepôt, extension de l'entrepôt, le bar, plus de vaisselle, place derrière le comptoir, améliorer le lieu de travail. Au niveau 3, on aura décroché, améliorer le lieu de travail. On aura le bar encore plus et tableau pour les restes. Ensuite, dans le niveau 3, bon, on aura un bar encore plus, une chaudière. Décrocher niveau 2, une chaudière, un grill. Donc là, on va pouvoir faire de la bouffe. On aura un évier un peu plus performant, encore entrepôt, un nouveau plateau. On aura un tonneau de vin. Ah non, alors du fromage, très bien. On aura un évier, encore du vin. Embaucher un employé. Fromage, encore embaucher un employé. Et là, bah, j'ai pas l'impression que ça soit pas la fin non plus, mais c'est jusqu'à maintenant, il n'y a que ça. Et après, encore embaucher un employé et un employé. Espérons qu'il y a d'autres choses quand même. Allez, ils nous attendent. Eh oui, j'arrive, monsieur. Excusez-moi. Où avais-je la tête? Ah bah voilà, où avais-je la tête? Oui, vous allez être. Ah non, pas celle-là. Ah non, punaise. C'est pas ce que je voulais faire. Ah eux aussi, ils attendent. La cata, ils vont pas être contents. Allez, on fait une bière réussie. Voilà. Limite, j'aurais peut-être en faire en stock. Tu vois, ça se maintienne bien en fait. Voilà. Appréciez bien la bière, s'il vous plaît, messieurs, dames. La livraison est arrivée. Avec la petite musique, pareil, qui fait très Moyen-Âge. Non, je trouve le jeu extrêmement bien fait. Tout nettoyer parce que les gens sont sales, aucun respect. Aucun respect, sérieusement. Juste pour boire une bière, ils sont super sales. Je suis sûr que chez vous, vous n'êtes pas comme ça. En faire plusieurs. Ah, parfait, parfait, parfait. Voilà. Bonjour, bienvenue dans la taverne. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Il est déjà 2 h du mat, je vais peut-être fermer, moi, est-ce que vous pouvez y dormir un petit peu? Bienvenue dans ma taverne, monsieur. J'espère que vous êtes bien installé. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Quelle est la place dans le comptoir, je sais pas. Alors, on nettoie encore les tâches qui ont été faites par les clients. Regardez la jauge. Que ce soit l'excellence ici. L'excellence. Pas installer un tapis, sérieux. Il y a d'autres saletés quelque part. Ah oui, bah oui, ça. Forcément, c'est vrai qu'il a vomi dessus, quoi. Ah, ils ont faim. Enfin, ils ont faim. Ils ont soif, parce que je peux pas encore faire à manger. Ah, bah, j'ai pas mal de thunes. Hein. Allez, on va peut-être faire la vaisselle, si vous y allez. Ça s'entasse, et puis voilà. Ah, vivement que j'ai un employé pour ça. Hein. Déjà que moi, en vrai, je fais pas la vaisselle, j'ai mon lave-vaisselle.
Bon bah à cette époque forcément, hein. C'était l'huile de coude hein, pour nettoyer. J'aime bien même les animations avec les bulles et tout, enfin je trouve petit détail. Ah il commande. Oui monsieur j'arrive. Désolé pour l'attente, je faisais la vaisselle. Perfect, perfect, perfect. Oh, dommage. Oh, perfect, ça frôle. Ah, faut que j'essaie de vider. Bonjour madame. Ben, je vous attendais, regardez, hop, aussitôt arrivé, aussitôt servi. C'est ça l'excellence, madame. Plus de place. Est-ce que dans la poubelle, je peux choisir qui? Ah non, ça va être... Ah, fait chier. Ouais, si on avait pu choisir quel verre on pouvait mettre à la poubelle, ça aurait été génial. Bon, on va passer au niveau de taverne, amélioration. Niveau de taverne 3. 100, on a ce qu'il faut. L'entrepôt, on peut le faire. Et là, après, améliorer le lieu de travail. Oh, des toilettes. Bah, c'est... Ah oui, mais c'était pas fourni, ça. C'est des trucs en plus, c'est surprise. Parfait. Inspecter les toilettes. Ah, enfin, nettoyer les toilettes. Non. La cabane au fond du jardin. À l'avenir, il vaut mieux ne pas le laisser sale pendant longtemps. La puanteur sera terrible. La taverne dispose désormais de toilettes. Parfois, les clients y entreront. Les toilettes sales compromettront votre propreté. Avec plusieurs clients, les toilettes peuvent se boucher. Il faut les nettoyer. Ah. Oh. Dégueulasse. Pas dégueulasse. Fallait bien que ça. Faut bien que quelqu'un le fasse. Alors là, j'ai plus rien. À l'avenir, il vaut mieux pas laisser. Ok, ça c'est bon. Commander des saucisses pour les clients, mais où? Où je commande les saucisses? Où je commande ces saucisses? Ah bah là. Ah mais c'est des... On peut... Ah oui, on les fabrique pas. Est-ce que j'ai de la thune? Ouais. Je vais prendre ça et ça. Voilà. Ok, on peut quand même faire du snack. Mais c'est pas nous qui le faisons. Ça varie beaucoup le gameplay. Oh là là, bon, vous savez quoi, on va les virer. Tant pis pour la bonne. Ah non, d'accord, je choisis. Clients inhabituels, vous devenez plus populaire et attirez l'attention. Parfois, des clients inhabituels peuvent venir à vous. Certains demanderont de laine, tandis que d'autres pourraient devenir tapageurs. Pour parler à un client, clé sur lui avec un. Hein, soyez poli avec tout le monde, écoutez-les et servez-les correctement. Oh, pas mal ça. Ah, attends. Une autre bière. Allez hop, on sert ça. Je trouve le jeu génial. Oui, monsieur, dame, on arrive. Bonjour, madame. Que puis-je faire pour vous? Prenez-en, donnez 30 pièces. Mais j'ai pas 30 pièces, je crois. Si. Un mendiant à l'entrée. Ah, elle a pas été contente quand même, alors que j'ai... Qu'est-ce que j'ai pu, moi? Je crois que c'était une cliente, une vraie cliente. Ah, commander des saucisses 5. Allez. Je suis au four et au moulin, moi. J'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Oui, madame, j'arrive. Excusez-moi, mais je suis débordé. Il faut vraiment que j'ai un employé. Vous cherchez pas du boulot par hasard? Par le plus grand hasard. Ça m'aiderait. Faut que je ferme parce que je dors plus la nuit. J'arrive même pas à fermer l'œil une seule seconde, s'il vous plaît. Faut que je ferme, j'ai pas d'envie depuis 24 heures. Plus même. Vous rendez compte? Débordé. Il
faut que je commande. Enfin, voilà, là, il me faut vraiment un employé. Hein. Je suis débordé. Je crois que je vais devoir mettre la main sur la clé sur la porte. Cela, je ne tiens plus. Trop de pression. Hein. Ben oui, mais je tiens de la pression tout le temps. Donc forcément, à un moment donné, ben, ça me prend. Hein. Vous savez quoi, l'autre fois, une mendiante, carrément. J'ai obligé de lui donner, sinon elle aurait dit que j'avais un mauvais établissement. Ben oui, mais c'est trop de pression, ça, je vous le dis. Bonjour, madame. Mais il y a du monde au balcon, madame. Je résiste, madame. Ne m'aguichez pas comme ça, s'il vous plaît. C'est un honnête homme, j'essaie de gagner ma vie correctement. Avec tous ces gens sales, là. Allez. Bonjour, mademoiselle. Ah, oui, plus de bière. Il faut que j'en fasse d'autres. Attendez, j'arrive, madame. Faut que je commande aussi. J'ai plus de bière, j'ai plus rien. On recommande encore. C'est tout le temps ça. Je n'ai même pas une seconde pour moi. Vous comprenez bien. Bon, c'est atroce, madame. Je n'ai pas une seule seconde pour moi. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Bah. Mais tu as donné la vie. Ah, t'en veux une autre? Mais t'es gourmande, toi. C'est rare, c'est la première fois qu'un client me demande deux dans la journée. Je suis étonné, quoi. Bon, au moins, ça fait du chiffre. C'est bien. J'aimerais bien qu'il y ait un client qui paye la tournée. Pour le moment, ça fait taverne, mais un peu tranquille, quoi. Il n'y a pas d'ambiance. On n'a pas du tout cet aspect-là. Plus rien. Voilà, évidemment. Ouais, ce qui manque, en fait, c'est vraiment une taverne champêtre avec beaucoup d'ambiance. C'est ce qui manque. Et c'est ce que j'imagine, en fait. C'est l'image que je me fais d'une taverne au Moyen-Âge. Alors, c'était pas forcément toujours comme ça, certes. Moment d'urgence. Où ça? Ah oui, merde. Vite, 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 vite. Non. Allez. On n'a pas le temps. Ils sont en train de s'impatienter. Eh oui. Ouf, ça va. Il m'en tient pas rigueur. Et en plus, j'ai dit heureux. Enfin voilà, Taverne Manager Simulator est un très très bon jeu. À juste savoir comment ça va se décanter au fur et à mesure par rapport à l'ambiance, au niveau des personnages, etc. Mais honnêtement, je trouve ça génial. En tout cas, prenez soin de vous. Buvez une petite pression, hein. Franchement, ça fait du bien. C'est un petit plaisir de la vie. Et on se retrouve donc très bientôt pour un autre plaisir de la vie, une vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.